Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 9 de Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Et le premier défi va vous demander de planer sur 250 mètres avec un planeur à grappin en une seule fois. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra le planeur à grappin que vous voyez juste ici. Donc ce planeur, vous allez pouvoir le trouver un peu n'importe où posé au sol comme ça sur Fortnite ou alors vous allez pouvoir le trouver dans des coffres. Donc moi ce que je vous conseille c'est de venir juste ici près de Broussailles. Voilà. Et ce que vous allez faire c'est parler à Broussailles et lui acheter un planeur. Donc ça coûte 250 lingots d'or. Donc vous lui achetez un planeur. Enfin un planeur à grappin. Et ensuite ce que vous faites c'est que vous allez juste ici à côté près de la plateforme. Après vous pouvez le faire autre part. Hein. Vous pouvez le faire... par exemple, dans les tempêtes, je pense que ça peut vachement vous aider à faire les 250 mètres. Parce qu'en fait, vous allez devoir voyager sur 250 mètres en une seule fois. Mais regardez, le planeur, regardez, moi, si par exemple, je mets un ping là-bas, c'est que 135 mètres. Hein. Si je fais ça, imaginons, hop, j'arrive même pas à 100 mètres de distance. Donc, c'est compliqué. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir près de la plateforme qui est juste en face de moi, qui vole justement. Et là, vous allez viser le réacteur de droite ou de gauche, hein, peu importe. Vous allez viser un des réacteurs et ce que vous allez faire, c'est sauter. Et quand vous sautez, vous voyez, vous pouvez vous accrocher. Donc, vous sautez, vous vous accrochez au réacteur. Donc là, c'est un peu trop haut. Hop, je saute, je m'accroche au réacteur. Mais là, j'ai raté. Donc, on va recommencer. Il faut en faire en sorte que vous vous propulsiez sur le réacteur pour qu'il vous fasse encore voler encore plus haut. Donc là, je vais sauter ici. Voilà. Hop, là, regardez, mon planeur s'est ouvert. Et là, bah, en fait, là, je suis à 130 mètres, on va dire. Ok, 130 mètres. Plus 130 mètres, ça fait 300 mètres. Donc voilà, grâce à cette technique, j'atteins même peut-être les 350 mètres facilement, tranquillement, avec cette technique. Après, il y a d'autres techniques, hein. Vous pouvez utiliser les ballons. Les grands ballons comme ça, vous vous propulsez sur le ballon, vous utilisez le souffle aérien pour vous envoler. Ou alors vous utilisez les tornades, hein, pareil. Hein. Ou alors vous pouvez aller vraiment tout en haut, de, par exemple, de la tour de Tilted, de l'horloge de Tilted. Essayez de vous envoler de la tour de Tilted et essayer de planer après sur 250 mètres. Ou alors même sur la tête de la bamboche, donc de l'expert des câlins. Vous allez là, vous vous propulsez avec votre grappin et vous essayez de voler sur 250 mètres de distance. Mais il faudra absolument trouver une astuce pour le faire parce que sinon vous ne pourrez pas arriver à faire à planer sur 250 mètres simplement en tirant sur un sapin ou un mur ou n'importe quelle surface solide. Ça ne fonctionnera pas parce que vous n'aurez pas assez de hauteur. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller en mode construction. Vous construisez une énorme rampe, vous utilisez votre planeur à grappin quand vous êtes tout en haut de la rampe et là vous voyagez sur 250 mètres. Ça aussi c'est une bonne astuce pour réaliser le défi très facilement. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à planer sur 250 mètres avec le planeur à grappin en une seule fois, voilà, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de conduire dans un vortex de chrome avec un véhicule et voler pendant 10 secondes. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra un véhicule. Donc moi je vous conseille un véhicule pas trop lourd parce que là je vois qu'il y a un gros camion. C'est un peu trop lourd. Regardez là, le véhicule là, il est très très bien. Donc si vous voulez un véhicule, vous venez en plein milieu de la map, hein, à la pompe à essence qui est juste ici. Vous allez tout le temps en trouver un. À tous les coups, il y en a. Donc voilà, n'hésitez pas à venir ici. Après, je pense que la Octane, donc la voiture de Rocket League, elle ne fonctionnera pas avec cette astuce. Donc n'essayez pas. J'ai déjà essayé. Après, peut-être que c'est un bug et qu'ils vont peut-être corriger. Mais la dernière fois que j'ai essayé, ça ne marchait pas. Donc ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est d'aller dans un vortex. Donc les vortex, ils sont représentés comme ceci sur la map. Donc voilà, celui-là, il bouge de temps en temps. Mais celui-là, il est tout le temps fixe. Donc vous prenez un véhicule et vous allez vers un vortex, donc une tornade. Et ensuite, vous allez tout simplement vous envoler avec votre véhicule. Et il faut que vous restiez pendant 10 secondes en l'air grâce à la tornade dans le vortex. Donc là, ça fait 5 secondes, 10 secondes. Ouais, c'est assez simple parce que tout simplement, la tornade bah, vous prend dans sa,
En fait, vous volez grâce à la tornade, donc ça c'est simple, hein. Vous allez tout près de la tornade, et puis ensuite, vous essayez de diriger avec votre analogue de gauche, de direction, pour essayer de suivre la tornade et de vous envoler pendant 10 secondes. Dès que vous serez envolé pendant 10 secondes grâce au vortex, donc grâce à la tornade, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de chasser un animal à butin louisant. Donc les animaux à butin louisant, c'est tout simplement, regardez, le sanglier qui est juste en face de moi, c'est un animal luisant parce que tout simplement, il y a une lumière autour de lui. Donc ça veut dire que quand je vais le chasser, regardez, il va lâcher une arme. Obligatoirement, il lâchera une arme. Donc je pense que ça peut fonctionner avec les sangliers, ben voilà, parce que vous avez vu le sanglier, ça marche. Je pense que ça peut fonctionner aussi avec les loups. C'est possible que vous voyez un loup luisant d'une certaine couleur, hein. Ça peut être une couleur mauve, violet, vert, bleu, or, jaune. Donc voilà. Après, moi là, je suis en partie contre des bots, donc je suis un peu plus tranquille pour réaliser le défi. Mais oui, donc ça peut fonctionner aussi contre les poules. Je pense que les poules aussi peuvent être luisantes, donc qui renforment un butin à l'intérieur d'eux. Je pense que ça fonctionne aussi avec les corbeaux et ça fonctionne aussi avec les requins. Alors là, je vous affiche une map avec tous les emplacements des requins parce que les requins, en réalité, à chaque fois que vous le tuez, ben ils vous donnent une arme. Parce que les requins, en fait, ils sont tout le temps luisants. Donc en vrai, si vous allez vers un requin, par exemple à Loot Lake, il y a tout le temps un requin là-bas. Donc vous allez à Loot Lake, vous tuez le requin, et normalement ça validera le défi. Parce que vous avez juste à tuer un adversaire, enfin non pas un adversaire, un animal à butin luisant, donc sanglier, loup, oiseau, enfin corbeau là, poule aussi ça peut fonctionner, et requin. Donc dès que vous aurez tué un animal qui a une lueur autour de lui et que quand vous le tuez, ça vous donne une arme. Bah dès que vous aurez tué un animal de ce type, bah vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le pistolet mitrailleur à silencieux. Alors, pour réaliser ce défi, il vous faudra le pistolet mitrailleur à silencieux que vous voyez juste ici en face de moi. Vous pouvez les trouver un peu n'importe où sur la map de Fortnite, posé au sol comme ça ou alors tout simplement en ouvrant des coffres. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 200 de dégâts aux adversaires. Donc là, vous cherchez un adversaire. Ok, il doit pas être loin. Ok, il est en haut. Donc regardez, vous voyez un adversaire et vous lui infligez des dégâts. Dès que vous aurez infligé 200 de dégâts à l'adversaire, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir une arme légendaire sur un joueur éliminé. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de lancer une partie uniquement contre des bots. Comme ça, ben, vous allez pouvoir tuer tout le monde jusqu'à temps d'avoir la chance de tomber sur un bot qui a une arme légendaire. Si maintenant vous voulez le faire en multijoueur, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'avoir une arme en or, dont un sniper que vous allez pouvoir acheter contre des clés dans des petits coffres comme ça. Donc les petits coffres avec des cadenas. Ces coffres-là peuvent vous faire choisir l'arme que vous voulez. Donc si vous avez une clé ou deux clés, vous allez pouvoir choisir une arme que vous voulez. Donc si vous avez un coffre qui vous offre une arme en or, par exemple un assaut ou un snipe, ben vous achetez l'arme et ce que vous allez faire avec l'arme, c'est de la mettre quelque part à vue de tout le monde pour ensuite attirer les adversaires sur cette arme en or pour que l'adversaire prenne l'arme en or et qu'ensuite vous le tuez juste après. Donc ça, c'est un petit piège que vous pouvez faire contre les adversaires, hein. Pour faire en sorte que l'adversaire que vous allez tuer ait une arme en or, donc une arme légendaire. Et ensuite, ben, quand vous l'avez tué, ben, vous récupérez l'arme que vous l'avez piégée avec pour terminer le défi. Parce qu'il suffit juste de... Enfin, il suffit juste, c'est quand même compliqué. Il faut avoir la chance que l'adversaire ait une arme en or. Mais si il récupère votre arme en or, ben, là, vous êtes refait. Parce que dès que vous allez le tuer, ben, vous allez pouvoir récupérer son arme en or. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que là, je suis en partie contre des bots. Donc moi, là, j'ai déjà essayé de donner une arme en or à un bot. Le problème, c'est que le bot ne récupère pas mon arme. Donc je la dépose comme ça. Et le bot passe à côté, mais il ne veut pas la récupérer. Donc la technique que je vous ai dit en multijoueur ne fonctionne pas contre des bots. Mais voilà, au moins, je fais des kills, je m'amuse et je galère pas à faire le défi. J'espère juste qu'un bot a ramassé une arme en or par inadvertance, hein, par chance. Et ensuite, ben, je vais le tuer et puis ensuite, je récupérerai son arme en or. Donc si vous ne savez pas comment créer une partie contre des bots, il y aura une vidéo en description, en commentaire épinglé, qui vous explique comment créer une partie uniquement contre des bots sur Fortnite. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc là, ben, je vais chercher tout simplement les adversaires et je vais essayer de tomber sur un adversaire qui a une arme en or.
Ok, donc il y a un ennemi devant moi. J'espère que il a une arme en or. On va voir. Après, il est marqué une arme en or, hein. Une arme légendaire, hein. Obligatoirement. Ça peut pas être un objet ou. Bah regardez, justement, le bot avait un fusil à pompe légendaire. Donc là, j'ai plus qu'à récupérer le fusil à pompe pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de faire une émote à l'extérieur du bunker de la confrérie du Bao. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay. Donc voilà, à côté de Loot Lake et à côté de Chrome Crossworld. Donc vous entrez par ici, donc regardez un peu où je suis. Vous entrez ici et là, regardez, il y a le coffre. Mais vous ouvrez pas le coffre, vous faites juste une émote devant le coffre, donc à l'extérieur du coffre. Et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'utiliser le ravitaillement sur commande pour appeler un véhicule. Alors, les ravitaillements sur commande, c'est tout simplement ceci. Vous allez pouvoir les trouver un peu partout sur la map de Fortnite posée au sol comme ça. Ou alors, vous allez pouvoir les trouver dans des coffres. Donc, quand vous avez une télécommande sur commande, un ravitaillement sur commande, ce que vous allez devoir faire, c'est de l'utiliser. Donc, vous vous en équipez, ensuite vous l'utilisez. Et là, ils vont vous demander, que voulez-vous? Soit un ravitaillement sur commande, soit un ravitaillement de soins, ou soit un ravitaillement de véhicule. Donc, ce que vous allez devoir demander, c'est un ravitaillement sur véhicule. Donc, vous demandez le véhicule, et là, normalement, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Après, le véhicule va arriver, hein. Vous pouvez le récupérer, bien entendu. Mais le but du défi, c'est juste de commander un véhicule grâce au ravitaillement sur commande pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 9 de Fortnite saison 4 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace!